on a des repères, ils ont des repères aujourd'hui, on sait ce qui marche, on sait le minimum que l'on doit faire sur un terrain pour aller chercher des points. Et ça, oui, je pense que les joueurs, ça leur fait du bien de le savoir. Et on le sait aussi, on parle du match, mais on sait aussi ce qu'il faut faire la semaine pour y arriver. On sait ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours pour être performant. Donc oui, ces repères, ils les ont. Et c'est pas pour ça qu'on va gagner ce week-end, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Ils savent aujourd'hui, bon, moi c'était des mots au départ quand je leur disais ce qui me semblait important. Aujourd'hui, ils ont matérialisé ces mots sur le terrain, mais ils savent aussi que c'est très fragile. Voilà, ils savent que c'est très fragile, ils savent qu'il n'y a rien d'acquis. Quand on voit notre calendrier, quand on voit la marge que l'on a, on n'en a pas de marge. Donc, ils savent qu'il va falloir être à plus, au moins 100% de nos capacités pour aller chercher d'autres points. Il y a le côté match à domicile, mais pas seulement. On sait que pour se maintenir, les points, et on est allé en chercher à Bordeaux, on est allé en chercher à Montpellier. Il n'y a pas simplement... on ne peut pas dire, voilà, c'est acquis, les points contre Reims, jamais de la vie. Ou contre Strasbourg, ou contre Clermont, pas du tout. Donc il faudra les chercher où on sera en capacité d'aller les chercher. Il nous en reste 9, c'est 9 derbies qui nous restent pour nous. C'est quand on dit 9 finales, 9 derbies, 9... On sait qu'on ne peut pas se permettre de n'être que moyen. Quand on voit... Reims aujourd'hui et Troyes aujourd'hui, Reims a de l'avance sur nous. Reims a de l'avance au niveau club, ça fait plus longtemps qu'ils sont en Ligue 1. Reims a de l'avance au niveau effectif, ils ont un effectif avec plus d'expérience que nous. Reims a de l'avance dans le classement, ils ont beaucoup plus de sécurité que nous. Donc oui, ils ont une triple avance sur Troyes, c'est un constat. Donc comme beaucoup de clubs de Ligue 1 par rapport à nous, donc oui, on va essayer, on va tout mettre en œuvre pour combler cette avance sur ce match de ce week-end. Mais effectivement, je suis mal placé pour vous parler de cette notion de derby. Vous la connaissez mieux que moi.